Service de médecine interne. Date du jour. Concerne Madame Andrea. Cher confrère, j'ai vu à la consultation ce jour. Votre patiente, Madame Andrea, pour réévaluation d'un diabète de type 2 sous NovoRapide ou repas, Lantus 10 unités le soir. Metformax 2 fois par jour. Le reste du traitement comporte Ténormin 100 mg, Lortan 100 mg, Lasix par semaine, Coruno 16 mg, Azaflo 80 mg, Ranitidine, Zocor 20 mg, Alcyon, Zanidip 10 mg. Chute répétée ces derniers mois. Fracture du coccyx fort invalidante. Patiente également fort stressée suite à des soucis de voisinage. Pas de problème digestif. Pas de malaise hypoglycémique ressenti. Mais glycémie parfois basse pour l'âge. Examen physique. Poids 72 kilos. Moins 4 kilos. Taille 148 cm. 32. Tension artérielle 12,7. Biologie. Vitamine B12. Normalisé. Créatinine 1,19. Hémoglobine glycosylée 7,2%. Cholestérol total 132. Cholestérol HDL 52. Cholestérol LDL 51. Triglycérides 145. La TSH est à 2,30. Conclusion. Obésité améliorée. Diabète de type 2 bien contrôlé. Hypertension artérielle équilibrée. Hyper adéquatement T. Carence en vitamine B12
corriger. Insuffisance rénale chronique légère et stable. Disposition. Diminution des doses de novorapide de 2 unités le matin et le midi. Diminution de la lentus à 8 unités. Le reste du traitement est inchangé. Contrôle souhaitable dans 3 mois.